Alors, on est parti pour ce nouveau BO entre Monkey Business et Ninja in Pyjamas. On en parlait juste avant. Ce sont probablement les deux meilleures équipes du groupe B. Et je pense que si une des deux ne se qualifie pas, ils seraient extrêmement déçus puisqu'ils sont dans une poule avec Navi, CIS Reject et No Logic Gaming. Pour le moment, NIP a roulé sur No Logic Gaming. C'était très très rapide puisque pour vous dire, le temps que Navi perde sa première game, NIP avait déjà gagné son BO2. Donc 2-0. Donc ça a été assez solide. Et il me semble que c'est l'entrée en matière de Monkey Business, qui est un peu moins en forme en ce moment qu'il ne pouvait l'être auparavant. Donc ça va être un bon test pour l'équipe de Notail et Miracle. Ouais, Monkey Business, c'est une équipe qui m'a peut-être pas eu de bol, mais à chaque fois que j'ai vu jouer, pas une équipe qui m'a convaincu du tout. En fait, je trouvais très. Ouais, bon bah voilà, ils ont des idées, ils ont des plans, des trucs qu'ils veulent mettre en place dans les games, mais ils arrivent pas trop. Et je les ai vus gagner comme perdre, hein, mais souvent quand je les ai vus gagner, c'était au final parce que l'équipe en face a encore plus raté qu'eux, mais ouais, voilà, enfin. Et bon, il y avait une strat que je les ai vu jouer qui était très sympa avec un Veno position 1 dans les mains de Notail. Un truc très timing push, je me rappelle plus ce que c'était les autres corps, mais je me rappelle de Veno position 1, un truc vraiment, vraiment basé là-dessus et qui était très intéressant. Les drafts là ils ont bien commencé, Tusk AM dans les mains de Monkey Business, d'accord, très bien. Darkseer qui a passé la phase de ban, Ember et Jatiro dans les mains de NIP. Alors l'Ember c'est un héros qui est vu très très haut par Monkey Business, hein. Donc s'il a été pick comme ça c'est probablement une sorte de pick ban aussi. Il y a certaines équipes qui jouent de l'Ember vraiment à toutes les games s'ils ont la possibilité, on pense à Liquid hein, qu'on vient de voir même si le héros a été ban les deux fois. Et il y a d'autres équipes qui ne jouent absolument pas Ember Spirit, c'est ça qui est amusant un peu dans cette 6.85. C'est que la méta commence à se faire. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Ouais, c'est Et ça. Du coup, t'as des gens qui jouent toujours la même chose, mais tout le monde joue pas toujours la même chose, et du coup, ça fait des choses assez étonnantes. Moi, il y a Jackie Hero Darkseer, ils ont gagné, quoi. Ouais, contre Antimage, il faut quand même réussir à l'attraper. Hein. Oh, mais moi, je. Pour moi, c'est un peu une tête de. Draft, ouais, mais en même temps, c'est Hera. Quoique, ça pourrait Ah, être attends, limite. j'ai pas compris ce que tu as dit, c'est Hera qui? Ember, Ah. normalement, sauf D'accord. erreur. Mais j'allais dire, ça a une gueule de leur strat un peu Deathball de Luna, tu sais, qu'ils faisaient. Et surtout avec les bans, en fait, surtout le ban Veno, le ban KOTL, qui pour moi t'envoie un peu dans cette direction-là, et qu'on a une grosse possibilité de Deathball du côté NIP. Mais je crois que c'est plutôt Hera qui joue l'Ember. Moi, je verrais bien un truc genre Luna plus un support qui aurait au moins un stun. Je suis d'accord. Ouais, Et ça tu rentrerait joues très très bien dans Deathball. ces vieilles strats, t'as raison. Mais tu peux le faire avec ton Ember Safelane en mettant un SF mid, par exemple, si le SF est ban. Tu vois, certains héros, une Viper, j'en sais rien, moi, qui rentre un Ouais, peu un dans. DK ou un truc du Ouais, style, hein. carrément, carrément. Qui rentre tout à fait dans cet état Je verrais bien d'esprit. un support qui apporte un peu de sustain aussi. Je pense que Dazzle aurait été sympa chez eux, mais pourquoi pas Doc? Ouais, être assez Bah, sympa chaque aussi. héros. Moi, je pense qu'ils ont quand même besoin d'un truc pour l'anti-mage. Parce que. Là, tu prends le risque de jouer contre un AM qui va split push, mais toute la game. Hein. Ouais, Sachant que tes corps Lyons, peuvent ça pas l'attraper. comblerait bien. Voilà, par exemple. Maintenant, tu peux aussi jouer en disant, bah, on va laisser l'AM split push, et nous, on est tellement massif à 5 et on scale très bien, que finalement, c'est pas trop grave. C'est une autre option. Mais c'est dangereux, je trouve. C'est moi, j'ai fini par retrouver mes stats que je cherchais depuis tout à Bah, l'heure. Bane, oh Voilà, look, Bane, hein, pourquoi pourquoi pas, pas. Dire team c'est pick. sympa. Non, je suis pas trop mal, c'est assez tanky, ça rend toujours dans leur état d'esprit. Moi, je sens vraiment une volonté de Deathball. Je sais pas s'ils jouent du Lone Druid, on sait que c'est un héros aussi qui évolue très bien contre AM jusqu'à un certain point dans la game, mais clairement, si le Lone Druid est dans une bonne position dans la game et qu'il a sa radiance et son autre item, on va dire grosso modo, minute 20-25 par là autour, l'AM ne peut rien faire, n'a rien à apporter contre ça à ce moment-là. 5 Pourrait être une seconds option. remaining. Alors c'est bon, j'ai les stats des équipes quand on en parlait juste avant. Donc Monkey Business, ils sont à 12-8 Reserve sur time. la. Je cherche depuis le 24 septembre, donc depuis on va dire les 2-3 dernières semaines. NIP, ils sont à 46% de win, donc quand même un peu en dessous. CS Reject, c'est 3 victoires pour 5 défaites, c'est quand même pas terrible. Navi, c'est une victoire pour 8 défaites. Et No Logic Gaming, ils n'ont pas assez de game pour qu'on puisse voir tout ça. Donc on a quand même des gens qui sont pas au top, quoi. Genre que le seul mec qui a un pourcentage de win positif dans la version, c'est Monkey Business, quoi, dans la poule. Alors, petit BM qui D'ailleurs, arrive. Probablement offlane, je pense. ouais.
Est-ce que tu peux faire une dual lane sympa avec ton BM? Alors BM avec Necro, ça te massacre un Ember Spirit. Hein, si Oui, tu as le complètement. temps de le tuer pendant la durée du roar, hein, sans aucun problème. Ten seconds remaining. Et même à voir s'il peut vraiment apporter, si tu sens une Death Ball, 5 si eux ils ont seconds peur aussi remaining. un petit peu de la Death Ball de NIP. Et à voir ce que le BM peut vraiment t'apporter. Alors oui, il y a du Surge DPS de time. loin, oui, la visu c'est cool, mais t'as des héros qui font ça un peu mieux, quoi. Ouais. Au hasard de lieu, genre Wind. Bah, ce qui peut permettre le Beastmaster, c'est de tuer l'Ember quand il va aller, enfin TP et vouloir revenir avec son Remnant, par exemple. Empêcher de tuer le mec qui va défendre tout seul. Ok, On sait ouais. que l'Ember est très fort D'accord. là-dedans. Bon, après, NIP est pas bloqué dans son idée de Death Ball, là. Ils ont le teamfight assuré sur Darkseer Akiro. Ils ont du pick-up avec Bane Ember. C'est un draft qui peut aller dans une direction complètement autre. Hein. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un Ils peuvent anti-mage, last pick donc... PL et faire autre chose. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un anti-mage, donc t'as pas 50 moyens non plus de jouer la game, quoi. Et côté Monkey Business, il manque Ils aussi... peuvent presque void. C'est un truc qu'on n'a pas eu depuis longtemps, mais qui était un des vieux picks qu'on Ouais. traîne. Ils peuvent Ouais. presque void avec ce qu'ils ont. Bah, il est emmerdé par le Dazzle et le Tusk, je pense, le Void. Même le BM, hein. Il y a quand même des long range disable, plus la Grave. Alors le Tusk, oui, le Sigil est chiant, mais à part ça, bof. Ouais, c'est ça, tu as le Sigil dans la boule de neige, t'as le l'ulti Dazzle plus la Grave, t'as le Roar de loin. Ouais, non, peut-être pas aller alors. Ok, nevermind void. Alors, ils enlèvent Razor. Ils enlèvent Razor? Dire Pourquoi ils enlèvent Razor? team Parce que Razor down. défonce Ember au mid. Ouais, ou parce que Razor défend de loin. Ouais. Oh, si tu veux enlever tous les mecs qui défendent de loin, t'as l'air un peu con quand même. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mid qui ont été retirés. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont prendre pour Nodal en dernier, parce qu'on 10 sait que Nodal c'est seconds vraiment remaining. le playmaker, le mec qui va créer énormément d'espace pour son équipe. Donc 5 s'attend à un héros seconds qui va beaucoup remaining. bouger avec le Beastmaster et avec le Tusk. Mais maintenant il faut qu'il s'inscrive, comme tu disais, dans. On avait Alchemy. Ouais, ils l'ont joué tout à l'heure, Radiant team l'alchimiste. picked. Qui est, pour moi, c'est un des meilleurs héros de la version. Oh le Lycan! Bah, Oh le Lycan, Lycan! c'est Dire pas team! Luna, c'est pas Deka, mais ça va dans la même idée, Ah ouais, et là hein. y a rien qui emmerde un Lycan dans cette gamme. Y a absolument rien comme un Lycan. Et on connaît le Lycan de Hera, c'est très très bon. Allez, c'est pas ce que tu peux. Donc, il faut un autre héros pour pouvoir faire suffisamment de place pour la M. Ah ouais, non, il faut un truc très. Pour moi, il faut un truc très agressif qui va faire des kills. Hein. Un Ouais. truc dans le même style que la Lina Mid pouvait faire à une époque quand elle était très 10 forte. seconds remaining. Mais 5 Wind, seconds si elle. remaining. Je sais pas, hein. C'était parce que Storm. tu mets trop de temps à rentrer dans la game avec Wind. Reserve Je pense que time. Storm, c'est pareil, tu mets trop de temps. Il faut un truc qui, dès son level 8, soit inquiétant. Ou alors tu mets Enfin. ton BM mid, ton Tusk Ouais, offlane voilà. et tu prends un Sand King des bois. Je pense que le BM Mid est une option, ouais. En Sand King des bois, comme ça t'as un bon trio pour aller chasser. Je pense que tu manques de Plus dégâts. le seconds Et là, remaining. ils ont quand même très peu de dégâts avant l'arrivée des Necro du Beastmaster. 5 seconds Donc, peut-être plutôt un remaining. Skywrath par Scatter the exemple. trees. Oh. Ok, ça c'est intéressant. Du coup, on va être sur un BM mid. Ouais, il y a un Fury Offlane. Ok. Ok. Et ça peut marcher. Hein. Parce que ça, c'est un draft à Infurion. Hein. C'est un draft de. Si tu leur as pas fait mal assez tôt dans la game, ils vont te balader toute la partie de lane en lane. Et c'est le draft du split push à l'état pur hein, à Ouais, Infurion. mais c'est quand même du split push à l'état pur contre un Ember qui est contré que par un Beastmaster et contre un Lycan, c'est-à-dire que Lycan tu lui laisses une ouverture, il prendra les bâtiments plus vite que tu prendras les bâtiments, même si t'es un Furion, même si t'es un anti-mage. Donc moi je donne quand même l'avantage à NIP sur le draft. Mais bon, Pour la c'est personne jouable qui dit pour. l'ulti BM c'est bien contre Lycan, le BM ça te permet de gérer le Lycan. Bah, l'ulti BM est très bien contre Lycan, mais comment est-ce que tu 10 tues le Lycan seconds avec le remaining. draft Monkey Business avant que la M soit 5 à 6 slots? Tu Qu'est-ce que tu peux fais? Tu mets rien un lui faire, hein. roar et tu Tu boules de neige. le tapes. Ouais. Et il faut voir que tu mets un roar, mais. Je veux dire, les nécros pendant ce temps-là, c'est quoi? Ça ralentit en AoE autour, c'est ça l'ulti BM? Prepare Mais for les. battle. Ouais, c'est t'as ça, ouais. Mais si le. Oh regarde, il a pris Orb of Venom first, Nautael, putain, on va regarder le Mida. C'est marrant ça. S'il est contre Ember, moi je pense que c'est vraiment un match qui peut gagner, mais Je pense gagner aussi, ouais. nettement. Hein. Je pense aussi. C'est mêlée contre Ember, donc tendance à dire que 66 de Ember est plus base fort. damage. Parce que voilà, il peut pas enlever le Flame Guard, du tout. Il n'y a aucun moyen d'enlever le Flame Guard. Par contre, il tape très fort, il a de l'armure. L'Ember tape moins fort et il n'a pas d'armure. Donc c'est un match-up où le Beastmaster peut être assez efficace. Et là, Attention à pas mourir sur level 5, quoi. il lui met une claque, il lui fait 78 de dégâts. Hein.
C'est 12 dégâts, je crois, leur mauvais nerf au total. Ah ouais. Ouais, donc il met une claque, il lui fait 78. Ouais, donc tu as un arbre. Mais le truc, c'est que tu vois, je pense qu'il peut mettre la pression assez tôt, mais il faut faire gaffe parce que. À la moindre erreur, je pense, si l'Ember est level 4 ou 5, il peut le tuer aussi. Ça peut aller. Je pense que le match-up va être vraiment intéressant. Et donc, on a tué une unité de chaque côté. Il y a un loup qui a dû mourir quelque part. Mais je suis très curieux de voir. Parce qu'il est parti sans. C'est quand même un BM qui est parti sans Stool Shield contre un Ember qui est parti pour Man Shield. Donc, ça aussi, ça va jouer. Dans les match-up mêlés-mêlés. The battle begins. Mais c'est un BM qui va avoir sa battle extrêmement tôt. Mmh. Extrêmement tôt. Alors attends, est-ce qu'ils ont changé ceci? Oh, il a pris le cochon les malins. Par contre, quand tu rush battle comme ça, tu prends pas cochon les malins. Mmh. Bah mais contre un mêlée fin, tu prends... Ouais mais je compte mon fichier contre un... Parce qu'il a pas rush finalement puisqu'il a l'orbe Venom quand même. Ouais, certes il a pas beaucoup plus mais... Ah, voilà, il lui manque 200 gold là, c'est deux vagues de creep. Oui, ils vont garder le Dazzle là. Mmh. Ok, pourquoi pas, il y avait même le Tusk qui était dans le coin. En masque droit, ah ouais, il est défoncé, putain. Les premiers petits deny. En bas, du coup, ça va être un Furion qui va se faire zoner par un Jakiro, autant vous dire qu'il n'a pas très peur. Les Triens maintenant courent beaucoup plus vite et donc vont pouvoir zoner ce. Enfin, zoner ce Jakiro, c'est un grand mot. Mais au moins aller très efficacement face au Jakiro, puisqu'il court à 325 et Jakiro ne court qu'à 290. Et à l'autre bout du monde, on a donc un Darkseer qui va être opposé à Dazzle plus Anti-Mage. Est-ce qu'ils ont empêché Darkseer de passer level 2? Non. Mais ils ont Anti-Mage contre Darkseer qui est quand même, je trouve, un des meilleurs carry. Puisque bah, il tape déjà relativement fort, il construit naturellement le Ring of Health et il peut enlever la mana du Darkseer quand même très facilement. Mmh. Il y a un moment pour lequel c'est difficile. Pour la M, c'est si le Darkseer passe level 3 avec un timing normal. Du coup, la M est encore. Normalement, il est encore level 2. Quand le Darkseer est 3, c'est le Darkseer est full XP. Oh, ça c'est la guerre mid, pardon. Il y a Crit qui est de retour, qui va toucher l'Ice Shard et le Flame Guard. Il prend cher notre Thaïlande. Donc, il est. Ouais, il est bon. Il a eu de la chance, hein. S'il est bolas tous, je pense qu'il meurt. J'en sors à 70 HP. Il est obligé de bottle up avec les clips au cul. Ça va s'arrêter là. Les premières runes. C'est celle bottle qui arrive. Non, c'est une deuxième salve. Hein. Deuxième salve que lui s'apporte. Il est égalité au CS, mais du coup, t'as raison, il aura dépensé beaucoup plus en consommable. En même temps, faut dire qu'il y a toujours des mecs qui traînent autour du mid. Hein. Entre le Dazzle au début, puis maintenant le Tusk, on le laisse pas tranquille. Oh oui, il a réussi en. Ah non, c'est pas Jason Fan qui a réussi à faire le coup, c'est Fly, pardon. Il est très important ce gros camp, il permet de deny beaucoup d'expérience. Et. Ah, il va peut-être réussir son pull. Ah, oh, il a eu les deux gros. Le Darkseer a eu les deux gros. Le Darkseer a eu les deux gros? Ouais, c'est. Enfin, c'était orange du moins de ce que j'ai vu. Ah, orange c'est. Bah, c'est orange bon. C'est le Darkseer. Ouais. Dazzle? Darkseer? Ok, non, j'ai dit juste, j'ai dit juste, d'accord. Ok, toi, peut-être. Ok, bah dans ce cas-là, on était d'accord. Oui, on était d'accord. Bon, en vrai, est-ce que le Lican, il free les chez free? Non, il est un peu embêté. Bah, il est même beaucoup embêté comparé à l'anti-mage. Hein. Mm-hmm. Il est mid HP. Bon travail de la part de Moon. Hein. T'as fait longtemps qu'on avait plus vu ces Furions offline, mais. Ah, ça, c'est. Et à mon avis, parce que Monkey joue bien le coup mid et met tellement de pression sur Lim que. Obligé de traîner dans le coin parce que je pense que si c'est un trilane contre le Furion. Ouais, le Bane est quasiment jamais venu en bas finalement. Et du coup, maintenant il a un Magic Wand, un Basilus, il s'est racheté un Sage Mask qui prendra les bots très très tard. Il fait vraiment beaucoup de sustain pour tenir sa ligne. Ce qui est assez rare hein, sur un Furion. Il joue même avec Basilus activé, hein, c'est-à-dire qu'il a envie de push le Lican sous sa tour. Pour le faire louper des CS, c'est vraiment intéressant comme il le joue. Alors qu'en haut lui l'anti-mage, a priori sa ligne elle est gagnée je pense. Hein, le Darkseer est level 4, qu'est-ce qu'il se ramène? Ah il se ramène quand même le Soul Ring complété. Mais je pense qu'il a trouvé l'Obs en bas avec... Un peu retardement, hein, parce qu'il est placé déjà un moment, mais il était un peu difficile à trouver, un peu caché dans les arbres. Il a fini par la trouver à l'instant. De courir après par les arbres. Limpy va pouvoir récupérer. Là, honnêtement, le Furion il peut TP. Ah non, j'aurais TP et gonflé.
First Sur Blood, qui? ça vaut tellement la peine. Sur Handscan? Ah, j'avais pas vu, pardon. Et il va partir dans les bois? Partir dans les bois pour l'instant. Ouais, je pense que c'est juste parce qu'il a son TP en CD là. Trop long de revenir sur la Ouais, lune. c'est très très long, putain, level 1, 50 secondes. En tout cas, c'est un début de partie extrêmement calme. On essaye de gérer ces lignes comme on peut. Il y a un slip qui est parti au mid sur, sur Crit. Il était encore venu mettre de la pression sur Limp. Alors, est-ce que c'est le Net Worth? Ouais, il y a quand même une énorme avance. Il y a plus 500 gold pour noter le Net Worth. Alors que c'est que 4 de CS. Ouais, Hein, mais par exactement. contre, bah, c'est de la bounty rune, c'est ce genre. Ah, et puis toute la régène, je pense que c'est ramener Limp, hein, tout simplement. Il se ramène rien pour le moment. Il se ramène le chic pour Crobottle. Faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que c'est physique les. Ouf. C'est physique les haches, donc il les encaisse entièrement. Alors c'est bien et mal, hein. Pense on est venu push en bas. Ah ouais, en bas ça push avec Jakio ouais. Plus. Dommage qu'ils aient pas le Basilius complété. Hein. On va venir défendre à coup de shard. Elle va être deniable cette tour. Elle est deniable maintenant. On a le Dazzle qui est dans le coin en plus. On va essayer là, de tu mets les loups en clic droit dessus. Et qui tente de y aller quand même. Oh non, c'est deny, c'est deny. C'est deny. Mais bon, bon travail, bonne punition sur le Nature's Prophet qui a quitté sa ligne. Qui était parti chercher avec un petit Ion Shell, il trouvera rien. C'est bon, il a passé le plus dur maintenant, Limp. Non, il a son ulti, le shield maxé. Il est intéressant. C'est marrant quand même cette façon de jouer de Monkey qui a vraiment recentré tous les débats au mid. Ils ont mis tellement de pression au mid que bah, NiP a été forcé un peu de jouer autour de cette mid lane. Et on va se moquer autour du Beastmaster et de son ulti. On a emmené le Dazzle avec. Où est-ce qu'on a retrouvé Hera? Ouais. Ils y vont. Oh, et ils vont aller loin là. Ils vont aller loin. Oui. Il y a un Bane juste derrière. L'ulti Furion. On met le slip. C'est bien joué. Oh, il a esquivé deux sorts avec ça. Il est-ce qu'il va réussir à suivre? Non. Balas, pas à part de Landscan qui arrive. Par contre, Notail a priori est mort. Est-ce qu'il a le temps d'acheter? Il tente de TP Vandal. Grave. Oh, bah oui. Oh, bien joué de la part de Fly. Fly est mort. Effectivement. Ouais, il s'est complètement c'est bien tenté le skill pour sauver Hera. Malheureusement, il a pas eu le temps de se mettre. Un coup de bottle ou quoi que ce soit derrière parce qu'il aurait pu bottle ulti par exemple puis s'en sortir, mais non, c'est pas le cas. Et c'était le First Blood, hein. 7 minutes de game, un petit trade 1 à 1, avantage pour Monkey qui récupère le First Blood déjà de 1 et qui surtout tue l'opposition adverse. Et du coup, ça vient un peu stop pendant ce temps-là de la part de Monkey. J'ai l'impression que Link va tenter un truc mid, il a une ace, son flame guard d'activé. Ouais, y'a pas de roar pour l'arrêter, hein. Ouais. La boule de neige, on peut le mettre dedans, non? Oh le heal down, mon dieu, les dégâts! Ok, bon, il va mourir quand même, Notail. Il y a le Big Bad Wolf qui est là, il y a le Big Bad Wolf qui va essayer de récupérer Fly. Fly qui n'a pas encore le CD de Grave, une seconde! Oh non, il va mourir, et du coup, Crit est probablement maintenant aussi. En danger aussi. Oh mon dieu, mais il crit tellement. C'est ce Lycan. Et il fait Midas? Non, il a peut-être juste beaucoup d'argent. En tout cas, il va dans le sujet dans les creeps, je pense que ça passe. Ah, il a pas nice, vu Moon. Et il est en train de faire Orchid son bot, hein, ce Nature's Prophet. En mode, on va chasser avec le BM. Carrément. Ça va sympa. Bon, bah, bonne réaction de la part de NIP qui vient chercher, bah, malgré notre à la mort de l'Emmer, mais qui vient chercher quand même pas mal de kill mid et. Ah, pas la tour par contre, non, pas du tout la tour. Et des gens plutôt de récupérer l'objectif. Pendant ce temps-là, le Tusk va venir récupérer son XP en bas. Il passe level 5, bientôt level 6 du coup. Ça va lui faire du bien. Non, je trouve parce que regarde la différence de nature entre le BM et l'Ember. Tu te dis c'est pas grand chose, il y a 200 gold, mais maintenant tu regardes l'inventaire des deux
Et en fait, ok, y a peu de networks de différence, mais par contre, la valeur de leur inventaire, il y a Aquila sur l'Imp et il y a Necro 1 sur le BM, à peu de choses près. Hein. Et enfin, c'est beaucoup plus impressionnant Necro 1 que Aquila. Complètement, complètement. Aquila pour Manchild. Mais c'est la façon dont il a joué son mid finalement. Il a tellement rushé ses items, Nautel. Alors du coup, bah je pense qu'il est quand même légèrement moins fort sa phase 1. On a vu notamment quand il tankait les creeps sous la tour, mais il se faisait défoncer par les creeps juste parce qu'il n'y a pas de shield. Mais en soi, le shield c'est aussi 250 de net worth, enfin de gold investi dedans, putain. Allez, comment est-ce qu'on va essayer de bouger maintenant de la part de Monkey? On va probablement récupérer la ruine d'Invis en bas. C'est fait pour nos tails. Et qui c'est qui se bat dans les bois là-bas? C'est les Merspirates qui chassent les supports. Être un peu calme tout de suite. Une question sur le chat, un mec qui demandait si c'était avec Aquila. Pas du tout. Même famille. Oh, est-ce qu'on peut avoir nos tails alors qu'il est invis? Oh non, on a Il est tué le sur une haut. sentry, hein. Il est sur une sentry. Les bolas qui passent, on a posé une deuxième sentry, du coup il est obligé de lâcher son roi. On lui met le barbecue, mais non, il n'y a pas assez de durée disable. Là, il se passe encore que level 1 pour le moment. On a quand même beaucoup de choses pour juste poke un Beastmaster. Et on est 5 sur place, hein. C'est-à-dire qu'en ça, l'antimage lui, il est tout seul en haut. Et le Furion est tout seul en bas aussi. Et le Furion est tout seul en bas. On défend Donc, un coup de hache. Oh, on va perdre cette tour, je pense, quand même, au final. C'est l'histoire de 2 Liquid Fire en plus, là. Ouais, mais bon. Prennent des dégâts sur la T2 à gauche, le Furion il va arriver sur la T2, sur la T1 en bas. Bon, il est pas gagné. Ça va être là où est-ce qu'on va forcer de la T2? Bah, ils sont là, ça va être là. L'Ember, il y a de grandes chances qu'il fasse Boot of Ravel dans cette game. Ouais, je serais complètement d'accord. Ouais, ce serait étonnant qu'il il le fasse il pas, a quoi. Pas. Il a pas d'item à rush pour aller dans le timing de ses potes. Il y a la BF par exemple apporterait pas grand chose. Et éventuellement, tu pourrais penser que peut-être un Maelstrom, vu que c'est pas très cher, ça pourrait rentrer dans l'idée. Non, mais des stats pourraient rentrer, genre un drum par exemple. Mais bah, il va faire le drum d'ailleurs. Il va faire le drum, ouais, effectivement. Peut-être les travel après, honnêtement. Ça pourrait être pas complètement idiot. Allez, on a une smoke en bas. Fly level 5, crit level 6. Est-ce qu'on a assez de DPS pour tuer Justin Fall? Probablement avec un TP Furion en plus. Alors, on scoute bien avec tous les triens un peu partout. Oh, Fly va être révélé, la ward est posée, il est plus en smoke maintenant. Il a pas la surge, hein. Ouais, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort. Ouais, là il bombe. Et pense à là, en haut, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens après un anti-mage, on n'a pas de petit Bane. Oh, il y a pas un blink. Pas grand-chose. Ouais, mais il est mort. Ouais, Anskan est mort en tout cas. Qu'elle est mort, ça va y a, y a Big Bad s'arrêter Wolf là. Qui arrive. Est-ce qu'on bait sur Big Bad Wolf? Ouais, il réfléchit en tout cas, R1. Il y réfléchit, on va revenir. On est sur une ward. Le problème, c'est qu'il est pas level 6, c'est le kill malheureusement. Il est très très belle bolas. On va go maintenant sur Crit qui prend pas mal de dégâts. Il a sa grave, il réfléchit à la placer. Il va se faire slip. Il y a le Big Bad Wolf cette fois-ci qui arrive. Il est en forme d'ulti. Crit qui va pouvoir se faire one shot. Pas eu le temps de le faire. Et on récupère la tour derrière. Et pensant là, il y a la BF qui arrive en bas. Ok, donc ah non, pas tout à fait, pas tout à fait, pardon. Excuse-moi, il manque encore un tout petit peu. Mais il a quand même fait Ring of Regen en plus de sa BF, Cooling Blade et pour Manshield, donc. Oui, c'est ça, je vais avoir la 15ème, on sera dans un timing tout à fait correct. Hein. Il a le lacet de la tour, il l'a d'ailleurs. Petit glyph. Et un autre mec qui me dit sur le chat, qu'est-ce que c'est le changement sur l'espace? Il va plus loin. Il va à 1200. C'est stylé, tu peux vraiment sniper les gens. Mais je suis déçu de. Enfin, il a fait le build de prise de tour en scan, qui pour le moment leur a débloqué déjà 2 tours, c'est même 3 tours, c'est bien. Mais ils ont un espace level 1 quoi. Ils ont un espace level 1. Oh, l'aurore qui part sur Erar, on a eu le temps de le surge, on a sorti les nécrons, on va essayer de le coincer. L'ulti Tusk peut-être pour la récupérer, la snowball d'abord. Oh, il tank quand même Erar, hein. Il est toujours en vie pour le moment, malgré l'ulti Dazzle qui lui tique dessus. L'Ember qui est tombé très très low HP derrière, qui va réussir à s'en sortir. C'est quand même du 3v. Mais ils sont quand même que 3, hein. C'est du 3v5 et il est 3v4, et ils les tiennent en vie. Hein. Par contre, bon, Fly est mal quand même. Oh ouais, il récupère même le Tusk en plus derrière. Fly ne pourra pas TP, il va mourir, là il se passe, récupère maintenant nos tails, Lim qui va espérer revenir, on va voir, pour l'instant il a TP Fontaine. C'est bon, ce qu'il fait tout, il est premier avec son vieux Kiro, il C'est clair, c'est clair, et je crois qu'il est en train de faire un Veil, non?
Bah, qui est beaucoup moins cher maintenant qu'il était auparavant. Ok, bon, ils vont pas battre les deux en bas en attendant. Et la thermite. Et la thermite, donc il n'y a pas à dire, on joue vraiment sa strat. Du côté Monkey, c'est le split push à Infurion, et quand on aura 4 sources fois votre inventaire, on viendra vous tuer. Il y a la BF qui est là, il y a l'Orchid qui est là, il y a même le Vlad qui est là, on a commencé à sortir les Nécros, c'est Nécro 2 pour le Beastmaster. Les choses prennent forme. Est-ce que NIP arrivera à faire suffisamment mal avant le point de non-retour? Mais moi, ce que j'aime bien me poser comme question quand je vois un draft comme ça, c'est est-ce que tu peux. Est-ce que ta strat peut aller en late contre la strat de Speed Push? Est-ce que tu peux juste serrer les fesses et aller en late? Et. J'ai envie de dire presque pour NIP? Je veux dire, si on les met tous level 25 avec le stuff qu'ils veulent, ça va? Non? Ouais, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un moment où, en fait, entre la visu que vont apporter le BM et le Furion et l'aim qui va remonter l'ennemi, NIP va courir partout. Par contre, il y a quand même une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est NIP, c'est un draft cliquant. C'est-à-dire, le draft cliquant laisse monter le high ground, tu n'as plus de base. Ouais. Et tu n'as plus de base en 30 secondes. Complètement. Donc les games, les comptes sont déjà finis, peu importe. Tu peux être à 2 sites de retard à la 50e, toi il faut que tu mettes, c'est comme les draftini, il faut que tu mettes les pieds une fois sur le high ground, c'est fini, il n'y a plus. Vous vous moquez du DS sur le chat, les mecs, c'est un wall level 1, la cast range du wall level 1 c'est 500, c'est moins qu'une auto-attaque. Ça augmente la cast range, putain, je savais même pas ça quoi. Ah oui, non mais tu vas jusqu'à plus de la doubler. 300 hein. Putain, ouais. J'ai tellement jamais joué ce rang. Enfin, si c'est pas vrai, j'ai beaucoup joué ce héros, mais moi je le jouais que avec Dagon, donc du coup je connais pas les spells. Hein. Tout ce que je sais, c'est que tu peux farmer avec la Zillion Shell, faire Midas et faire Dagon. Non, Nicky, c'est. Puis je teste beaucoup de builds. Hein. Bah, tu peux tellement dire tous les items que tu veux que. Ah, mais surtout au niveau du skill, en fait. Ah ouais? Des trucs avec des trucs où en fait tu peux juste passer à Zillion Shell level 2 et puis avec qu'un seul level. Hop, et tout le jour. D'ailleurs, les vêtements plutôt. Ça marche pas très bien, ça d'ailleurs, mais. Alors, on est venu essayer de faire Roshan, mais du coup, on va prendre le fight de la part de Monkey Business. On vous l'a dit pendant le draft, ils ont quand même un gros déficit en teamfight. Du coup, ça va être très dur à contester. Notez, il a envie d'y aller, il va lâcher son roar, du coup, il a poussé Seed Kill sur la colline. Oh, le pauvre Bane qui va mettre un Brain Sap. Le Roshan qui est récupéré, snatched par l'Ember Spirit. Ça veut dire que NIP, que Monkey a récupéré le Last Hit du Roshan. Faut que c'est l'Ice Shard. Ouais, je pense aussi. Et pendant ça prend leur Axe, hein. Enfin, ça prend leur Axe, ça prend leur T2 pour commencer. Ouais. Et ça arrive en porte de la base. Ah, ça coûte cher, hein. Selon le snatch, ouais. Ouais, ça coûte très très cher. À mon avis, il doit être en train, en termes d'XP, de tomber, mais bien au fond quand même, ouais. NIP, non 7500. En termes de gold aussi, mais je veux dire, en termes de gold, ça va moins se. D'un côté, j'ai envie de dire, c'est moins important. Mais c'est quand même incroyable que ce Beastmaster qui a 2-1-1, donc qui n'a pas spécialement participé à la game, qui n'a pas eu une phase de line plus forte que ça. Et 1500 networks d'avance sur l'Ember Spirit, quoi. C'est quand même. Ouais, clairement. C'est quand même pas normal. Les tours, hein. C'est les tours qui et puis le rush, enfin le rush là. Quoi, les tours, il y en a eu autant de chaque côté. Hein. Il reste. Non, il y a une tour de moins. Pour Monkey. Ah non, t'as raison. Donc. Non, je pense que NIP a peut-être voulu désvol trop tôt, quoi. Ils ont un peu stressé devant le draft adverse. Et... Parce que là c'est un Ember qui fait absolument pas peur. Hein. Ils ont toujours un gros coup à jouer sur le. Le problème c'est que ça arrivera pas pendant la Aegis. Mais sur le Necro 3 du Licor. Là il a Necro 1. Franchement tu lui laisses 5-6 minutes, il a Necro 3. Ouais. Ah mais regarde le stuff de l'antimage pendant ça là. Il a sa Yasha qui arrive. Ils ont bloqué deux personnes avec les Ice Shards, ils ont la visu, on va roar steel kill. On va juste prendre ce qu'on peut. Oh non, j'ai rien, j'ai une boule de neige, je suis mort. Oh, on a TP, on va prendre le fight. Il y a le Furion et l'Antimage qui ont essayé de rejoindre le fight. Ça tombe bien parce que Hanscan est très très low HP. Il va tuer le Lee quand c'est pas lui qui n'avait la Aegis, c'était Limp. Maintenant il faut que Limp du coup fasse le café. Hanscan s'en sort pour le moment à 30 HP. L'Antimage va blink et le récupérer. Ulti Dazel fait trop mal là. L'AM il a pas de stuff, il arrive, il met des claques à 400 quoi. Oh, tends le bras. Ah, le mauvais. Oh, il va quand même le tuer, je pense. Je sais pas comment il peut s'en sortir. Bon, il a Aegis, hein. Il a Aegis, on va voir si. Ils arrivent à le silence à la sortie. Oui, je pense qu'il est mort en fait. Ah, si alors aussi, kit, ouais. Il faut leur kit direct. Ouais, c'est fait.
C'est bah, fait. Monster avec la BF. Voilà. Regarde, quand tu parlais de l'anti-mage là, sur la game précédente, tu disais bon, il va y avoir BF Vlad Manta minute 25. On est minute 19 et il a déjà les 3. C'est quand même. Oui. C'est quand même un anti-mage qui a pas été contesté du tout. Il a pris énormément de tours. Et oui, là il aura la Manta dans 3-4 minutes. Hein. Aïe aïe aïe. Mais voilà, tu as si on avait le Lycan au même stade de net worth que la M là, à 13k, on va lui donner un peu moins, parce que ça fait un peu moins bien. On va lui donner 2k net worth de plus que ce qu'il a, c'est Necro 3. Ah, bien sûr. Vie, Necro et il 3, fait t'es dans la base quoi. Et tu finis la game, alors pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, finis bien sûr. La game avec ton Lycan qui a 13k net worth minute 20. Tandis qu'avec la M, t'es ultra bien, mais tu finis pas la game pour autant. C'est ça, tu peux la faire durer jusqu'à sortir tes items. Mais là, c'est ça que je voulais pointer, c'est que c'est vraiment. Il est en avance sur les. Largement en avance sur les builds qu'on a l'habitude de voir sur Anti-Mage, quoi. Il y a Haste et un Viz. Allez, c'est parti. Qui est sur qui est-ce qui go sur l'île Oh mon dieu. Et encore, c'est un BM qui a que 2 levels de hache. Et que les haches maxées sur des embers qui font pas d'armure, les mecs qui bypassent sont plus Akila. Ah, ouais, il en a un peu quand même. Hein. Il a 7 d'armure. Et qui bypassent Akila des fois et qui font le drum à la place avec les haches maxées. T'arrives, tu le mets midlife avec un coup de. Ouais. Puis là, les nécros font un table de malade. Hein, sur. Il a quand même maxé l'aura qui buff les nécros aussi. Hein. Enfin, je me rends pas compte à quel point ça augmente le DPS. Et il se paye une gemme. Oh, ils sont vraiment trop bien dans la gamme. Hein. Il y a Dagger sur le Tusk. Le feu, il a fait Orchid into Maelstorm, c'est-à-dire que bah, maintenant le Speed Push Power est encore plus fort. Ah non, ils sont vraiment trop bien dans cette game. La Manta est là sur l'anti-mage, je vous annonçais 3 minutes, il l'a fait 2 minutes plus, 1 minute plus tôt que ce que j'avais prévu. Xerxer 6500 networks, un item dans l'inventaire. Ouais, mais le meilleur item du jeu. Bon, c'est peut-être pas le meilleur item dans cette game, je me suis dit. Mais... Non, mais c'est vraiment pas ouf quand tu regardes les stats qu'apporte l'objet, c'est ça. Après, l'effet, bien sûr, on sait de l'impact que l'objet a. Mais... Moi, tu me dis ce truc là, ça te vaut 5k gold. Moi, c'est mon grand dilemme parce que c'est l'item que j'ai envie de faire à toutes les games tellement je le trouve trop bien offline. Tellement cher. Mais voilà, mais dès que t'as le prix en fait, tu te dis, mais est-ce que j'ai raison ou pas? Oh, ils l'ont vu. En même temps, tu peux peut-être pas speed push avec un Dazzle jusqu'à ce moment là. Faut pas déconner quand même. Allez, grave, t'es fait. Ah, il a gardé les Volas. Into Man Up. Mais tu sais, enfin, moi de. Tiens, on a tous nos objectifs en pub. Moi, mon objectif en pub, c'est de réussir, et c'est vrai depuis que je joue à Dota, c'est de réussir à créer un héros intuable. Et dès que je joue des games et je suis trop bien, j'ai envie de devenir intuable dans la game. Et le seul moment où j'ai réussi dans toute ma vie de Dota, c'est depuis qu'ils ont inventé les Guardian Greaves. Parce qu'avec cet item, les gens peuvent faire tomber. Un back Guardian Greaves. Mais c'est, tu ne peux pas mourir, et quel que soit le héros que tu fais avec le héros que tu es avec cet item, tu ne peux pas mourir. Tu tombes à 10% HP, et après t'as la régène et l'armure qui se met en place, et c'est fini. Tu ne meurs plus. C'est l'intuance. Et pour ce qui est des stats sur Antimage, je vais vous en parler un peu sur le chat. Il faut savoir que l'Antimage c'est un héros qui a un des gains de force le plus bas du jeu, donc il reste très bas en termes de HP. Vous voyez que là il est quand même à 15k net worth, le mec il a 1500 HP, ce qui est extrêmement peu, alors qu'il est level 18 hein. Donc il a gagné quand même beaucoup de stats au vu de son gain de stats quoi. Et donc en fait on fait les stats sur Antimage parce que on va pas fight avec Antimage avant très tard dans la partie, on monte très haut en termes de level comme on tue beaucoup de creeps. Et donc les stats en fait sont là pour nous aider d'une part à mieux farmer puisqu'on a les meilleures stats, on farm mieux, mais surtout pour être beaucoup plus tanky et pouvoir mourir moins facilement. Crit en bas. C'est vrai? Putain, il était bien caché pourtant. Il était bien caché. Mais je rêve ou il y a un Roll of Athos? Yep, bien sûr. Bien sûr. Il a pas fait Veil, il a fait Roll of Athos. Alors je veux dire, quand tu fais Roll of Athos alors que tu as 0 stun et un anti-mage en équipe adverse, excuse-moi, mais je suis sceptique. Parce que l'anti-mage, si tu peux le slow autant que tu veux, Je pense que c'est pas mal pour slow le mec sur lequel le lit en table. Tu sais que tu t'arrêtes que ça. Ouais, non, mais il y aurait pas anti-mage dans la game. Moi, je trouve ça sympa.
Mais là, le mélange d'image, tu vas le slow et il va te regarder, il va rigoler quoi. C'est quoi ça? Allez, ils sont déjà dans la base. Ouais. Ils sont pas bons. Ils ont tous des TP, rassure-moi. Ils ont toujours pas réussi à prendre leur T2 à droite là. Et ils vont la prendre. Hein. Ils vont la prendre, mais alors qu'est-ce qu'ils auront pris cher dans leur base pendant ce temps-là? Il y a les nécros qui sont partis top, les deux tours sont mis d'HP. Et on a failli récupérer l'Ember Spirit. Est-ce qu'il le voit? Oh! S'il y a eu de la communication là-dessus? Parce que le Sprout a donné la vision pour mettre l'ulti anti-mage. Avec le mini-stun, ça suffisait à canceler le TP. Ah, ils ont eu beaucoup de temps à prendre la tour parce que on n'avait jamais sorti ni le hall ni les nécros. On voulait les garder au cas où il y avait un fight derrière ou quoi que ce soit. Lentement. Yo check Roche, Roche n'est pas là, on récupère un TP, bien joué, c'est sûr. Et on va peut-être faire la guerre dans les bois. Pas du tout. Absolument pas. Bah disons qu'il y a des gens qui veulent faire la guerre, il y en a d'autres qui leur disent nous on va un peu farmer tout le reste de la carte. Et là on a un peu un image qui est à 17 000 de net worth contre un Lycan qui a 11 000. Tout à l'heure on disait bon voilà, si le Lycan sort 11 000 de net worth, il a Necro 3, et c'est vrai. Il vient d'avoir un Necro 3, mais le temps que lui il farme 2000 de net worth, l'antimage il s'en est fait plus 7000 quoi. Forcément. Donc là, je pense qu'il faut juste serrer les fesses. Hein. C'est la seule chose à faire. Il faut espérer que Monkey à un moment merde quelque chose, merde sa gestion de remontée de ligne, etc. Et tu trouves un pick-up sur ne serait-ce que le Dazzle en promenade devant ta base comme avant, et tu montes la grande et tu rates la base. Parce que tu peux, il n'y a pas de problème. Bon, on scanne. Ou un gros rond sur le Gekiro. Oh, du coup, on est parti sur le Vayne. Oh, mon dieu. Les deux se sont fait éclater. Lim tente de relancer dans le fight, mais il perd toute sa mana sur les nécros et l'antimage. Pendant ce temps-là, Moon a aussi TP derrière. On va mettre les Golden Greaves, on retente de reprendre le fight. On va probablement tuer Moon qui est abandonné par son équipe. On prend le fight jusqu'au bout. Oh, il manque une auto-attaque. Ça va, ça va, là. Pendant ce temps-là, il y a Miracle qui prend la bagarre contre Hera. Ah, t'es sûr qu'il va pas finir le petit nécro là? Bon, au final, ça fait un 2 pour 1. Il y a eu un buyback du Bane. Mais même avec le buyback, ils sont gagnants en termes de gold. Hein. Plus 800 gold sur l'Ember Spirits. Très joli wall vacuum de la part du DS. Après, malheureusement, il a un peu abandonné ses élus derrière. Il a mis quelques secondes à les recontrôler parce qu'il peut vraiment, et c'est ce qu'il a fini par faire, il peut vraiment juste prendre l'élu à M et la mettre en clic droit sur quelqu'un en fight et puis casser les nécros avec les autres. Tout à fait. Il a eu un peu de temps à arriver à ce point-là. Son wall vacuum était bien. Je crois que c'est lui qui a fight d'ailleurs dans son équipe. Oh mon dieu, il a déjà Butterfly. Alors Butterfly contre Lycan, c'est une horreur. Parce que là, Hera il vient d'investir 5000 gold dans un item qui fait des petites bébêtes qui tapent et qui font beaucoup de dégâts et qui burnent la mana. Mais là, maintenant, les petites bébêtes, elles loupent un tiers de leur attaque. Donc tout de suite, l'item est beaucoup moins intéressant. Enfin, elle loupe sur l'antimage. C'est tellement la promenade de santé. Yep. Oh, y'a le Hawk qui va venir voir que les gens s'intéressent à Roro. Si tu prends le fight là, y'a le wall et tout, c'est dangereux. C'est toujours dangereux le pick de Roche contre Dark Seed. Mais je pense qu'ils sont plus forts. Mais c'est ça, ils sont plus forts, mais ils ont le déficit de teamfight. Donc on verra, on va essayer de one shot Seed Kid. Oh, c'est déjà fait, ça c'est problématique. Derrière, l'ulti Lycan qui a été pop. On a l'anti-mage dans le tas qui est en train de massacrer tout le monde avec le Beastmaster qui va récupérer un premier kill. Hera qui est coincé dans un sprout, il a beaucoup très vite, il a pas de. De Killing Blade. Et en derrière, on va récupérer l'Ember qui était coincé par l'Ice Shard. Et B. Magnifique. GG annonce. Et il donne le GG. Il y a 11-15 à ce stade de la partie. Hein. Mais c'est super parce qu'il force en fait à sortir du pit et à paniquer. Et c'est vraiment génial parce que tu peux pas prendre la fight autrement que ça. C'est parfait ce qu'il faut. All in le Bane, du coup, NIP se dit on est en infériorité numérique, ça commence à être la merde. Le DS sort du pit pour pouvoir se repositionner, pour pouvoir rentrer dans le fight après avec sa dagger. La M hésite pas une seule seconde, lui bing dessus, sort la manta au corps à corps et met tout en right-click sur lui. Du coup, le mec est paniqué, il est vacuum wall dans le tas, il sort un peu de la fight, il revient, il vacuum wall sur ce qu'il peut. Et non, quand t'as pas fait ton ice path, into vacuum, into barbecue, etc., bah ça passe pas, tu peux pas le gagner le team. Mais s'ils étaient pas juste mal placés finalement au début, parce que le Bane. Ils ont paniqué quand ils ont perdu le Bane. Et ouais, mais est-ce qu'il est pas déjà mal placé le Bane à ce moment-là? Je pense que oui, mais quoi qu'il en soit, au moment où le Bane se prend le rôle, tu dois finir rush.
Ah ouais, Tu ouais. vas pas passer en mode panique. Tu vas finir rush. Bon, en Parce que tout tu cas. ressortiras pas de ce pit. Pas possible. En tout cas, game is hard. Les statistiques pour le moment sont vérifiées. C'est-à-dire que Monkey Business, qui était l'équipe avec les meilleurs stats sur 6,85, est de loin de sa poule. Parcours facile. Ils donc remportent cette première game face à NIP. Il y en aura une deuxième. Je vous rappelle qu'on n'a que des BO2 tout au long de la phase de poule. Mais sachant que NIP a éclaté No Logic Gaming, on peut se dire que pour Monkey, tout commence bien, en tout cas. Après, on le connaît, on le sait, cette 6,85, et c'était un peu pareil sur 6,84, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent battre d'autres équipes. Enfin, il n'y a pas vraiment de hiérarchie assurée pour le moment. La méta est peut-être pas encore assez stable pour ça. Il y a encore pas mal de surprises en termes de résultats. On verra tout ça, en tout cas, dans la suite. Il nous reste encore une game avant de terminer cette journée de qualifier, et ce sera après la pub. À toutes!